Ce seront des agents de la collectivité. Aujourd'hui, nous en avons formé 4 qui appartiennent au service de la police municipale, mais qui interviendront lorsqu'ils assureront cette mission sans uniforme et pour des missions métropolitaines, avec bien entendu l'accord des maires concernés. Eh bien, demain, nous pourrions décider de former d'autres agents, je pense à des ingénieurs, à des géologues, si le besoin s'en faisait sentir, pour que ces nouvelles technologies puissent être utilisées en matière de sécurité civile. Nous avons vu au moment de la tempête Alex à quel point ces nouvelles technologies étaient utiles, et je continue de penser que une ville résiliente, une ville qui a fait de sa priorité la gestion des risques, eh bien, ne peut pas se passer de l'utilisation de ces nouvelles technologies pour pouvoir assumer à bien cette mission.